Et bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft dédiée à l'aspect assassinat du voleur à Shadowlands. Donc ici on va aller voir les modifications principales qui ont été apportées à l'aspect. Drastiquement ça ne change pas énormément de choses, le core gameplay reste le même, mais il y a quand même des petites modifications qui valent le coup qui valent le détour et qui valent le coup d'être su. C'est parti. Au niveau assassinat, c'est là où il y a très très peu de modifications. Finesse, il y a énormément de modifications. Donc voilà, attendez-vous à être à peu près familier si vous aimiez déjà bien assassinat sur les extensions d'avant. Ça n'a pas tellement changé. En termes de modifications, du coup, on en retrouve un petit talent supplémentaire. Poison amélioré augmente de 20% vos chances d'appliquer les poisons et 33% la vitesse d'application des poisons sur vos armes. En gros, c'est pour dire que les poisons assassinats, ils sont mieux que les autres. Du coup, les autres, ils sont un petit peu moins bien. En gros, si vous étiez assassinat, vous aurez toujours le même taux d'application de poison que sur BFA. C'est juste que désormais, les poisons de base ont moins de chances de s'appliquer. Et quand t'es assassinat, t'as plus de chances de les appliquer. On retrouve également le retour de l'embûche, l'embuscade, qui est désormais disponible en assassinat. Et ça c'est cool parce que ça met des gros dégâts. En plus, il y a moyen qu'on le mette dans les rotations parce que assassinat ça joue souvent avec subterfuge. Le talent qui permet de mettre plus de coups, enfin de mettre des attaques furtives pendant 3 secondes quand vous sortez de furtif, là, ici ce talent-là. Et du coup, il y a des plays de niche avec embuscade. Mais en plus, c'est pas tout, c'est qu'ils ont changé le premier talent qui avant était complètement claqué au sol. Pour rappel, c'était cette version-là. Désormais, angle mort fait des procs d'embuscade gratuits. Et ça, c'est juste insane. Je vais vous montrer un petit peu rapidement les types de dégâts que ça met ce truc et à quel point il est super intéressant ce talent et à quel point c'est kiffant. Bon, déjà, jouer avec des procs, ça peut être vraiment, vraiment cool parce que ça dynamise un peu le gameplay. Ça te fait des procs, t'as l'impression d'avoir des trucs à faire et tout, c'est vraiment sympa. Je mets des petits estropiés sur le mannequin et vous allez voir les procs que ça met. Donc, déjà, les estropiés là, ils tapent à 386. Ok? 386. Regardez le proc embuscade. Attention! Pop! 1063. En gros, mes embuscades, elles tapent 2,5 fois plus fort que les estropiés. Elles génèrent 2 points de combo. Elles sont gratuites. What the fuck? Et en plus, on a nettement plus de chances de les appliquer quand la cible a moins de 35% de ses points de vie. Donc c'est un peu comme un exécute, parce que vous voyez, c'est des procs que vous avez à ce moment-là. C'est juste insane. Honnêtement. Angle mort, pour moi, déjà, ça va être joué en tout début d'extension, c'est sûr. À la fin, c'est quasiment sûr aussi. Il n'y a qu'en PvP, ou à la rigueur, on va quand même prendre Maître Empoisonneur, parce que bah, t'as les réducts sur les soins et c'est trop fort en PvP. Et t'as le slow qui est amélioré. Donc, ok, en PvP, ça va sûrement continuer de jouer Maître Empoisonneur. Mais alors, tout ce qui est donjon, raid, leveling, angle mort, vous avez tellement kiffé le fait de pouvoir mettre des procs embuscades, ça dynamise à mort le gameplay, et pas un proc embuscade! Alors que vous avez déjà mis des dégâts d'estropié, vous avez déjà appliqué vos poisons, et en plus, bah, attention, vous êtes sous Vendetta, oh là, les dégâts que ça met, laisse tomber. Hein. On va tester, tiens, on va juste faire un proc embuscade sur Vendetta pour voir la différence des dégâts. Bon, comme on l'a vu, du coup, il a débité également, donc c'est possible de jouer débité, ce qui permettra d'appliquer plus souvent vos poisons, mettre plus de dégâts. Est-ce que c'est un truc qui rentrera dans la rotation, en plus de devoir mettre un uptime sur la rupture, sur le garrot, et tu dois en plus mettre un uptime débité? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Ça peut être bien. Genre sur des boss, je pense que tu vas mettre ton uptime dessus. Je pense que ça me paraît. Je pense que tu auras un gain de DPS plutôt que d'aller directement mettre de l'envenimé. Sur des trash ou des trucs comme ça, je sais pas à quel point ça sera fort. Donc ça sera simulé, ça sera à voir sur la sortie de Shadowlands. En tout cas, il faut savoir que c'est disponible. Il y a débité. L'uptime sera forcément toujours dans un premier temps de mettre les saignements sur la cible et les poisons pour avoir le passif qui regagne l'énergie. Mais je pense que dans un troisième temps, ça sera de poser un petit débité. Et également, du coup, on avait parlé rapidement, mais le Chris, le fameux Chris, il a un petit bonus quand tu es en spé assassinat, ça ajoute un texte. Les dégâts de nature que vous infligez à la cible sont augmentés de 20% pendant 9 secondes. Donc en gros, avant on avait la lame toxique, maintenant elle a été virée, il y a empressement à la place, on va le voir juste après. Et ça fait le même effet que la lame toxique, sauf que c'est 20% au lieu de 30%. Mais en gros, sur un CD de 25 secondes, exactement comme la lame toxique avant en assassinat, sauf que c'est inclus dans le pass, dans le toolkit, donc t'as pas besoin de prendre le talent, les dégâts de nature que vous infligez à la cible sont augmentés de 20% pendant 9 secondes, en plus de slow de 70%. Honnêtement, c'est juste insane le fait qu'ils aient mis ça dans le toolkit de base, que ton Chris, quand tu veux le mettre, il va te permettre de debuff la cible. Donc au final on retrouve le gameplay qu'on était habitué à avoir avec la lame toxique, avec le système d'énergie pooling, vous savez quand vous jouez avec ce genre de truc, ce qui est intéressant c'est d'aller stack des points de combo et bien garder son énergie, comme ça après on peut mettre 3 fois des envenimés sur la frame de du Chris ou de la lame toxique. Du coup, lame toxique est en partie, ça laisse la place à un point de talent supplémentaire, c'est celui qu'on retrouve sur toutes les spés du rogue, c'est empressement.
Ça tombe bien, sur Assassinat, c'est probablement, très 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 probablement, l'aspect sur lequel c'est le plus intéressant. Vos coups de grâce ont 20% de chance par point de combo de vous conférer 2% de hâte pendant 20 secondes, cumulable jusque 5 fois. Là où sur le papier ça semble pas si bien que ça, en réalité c'est vraiment pas mal sur les boss, sur les combats longs, je vous explique. Donc par exemple vous tapez un petit peu votre cible, vous montez vos points de combo, vous mettez une rupture, etc. Bim, vous vous retrouvez directement avec un stack d'empressement. Vous continuez à taper un petit peu, vous mettez des estropiés, et ce qui se passe c'est que par exemple là il me reste 10 secondes sur le stack, je vais attendre 5 secondes. Donc là j'ai mes points de combo, j'ai déjà un peu récupéré toute mon énergie mais peu importe, je décide de remettre n'importe quel point de combo, tiens par exemple je remets une rupture, bim, je repasse à 20 secondes en fait, ça remet full mon buff et en plus ça lui ajoute un stack. Et c'est ça qui est fort avec le système de stack, c'est qu'en fait tu vas avoir un uptime permanent sans aucune difficulté. Si tu tapes un petit peu comme là on est en train de le faire en mettant 2-3 points de combo à droite à gauche, rapidement tu te retrouves avec un buff de hâte super conséquent. Et 10% de hâte c'est vraiment énorme, là on peut le voir, sans difficulté on a déjà 4 stacks. Donc ce qui fait 8% de hâte. Et là voilà, on est full énergie. La hâte permet d'augmenter les dégâts des saignements, permet d'augmenter ma régénération d'énergie, etc. Enfin c'est vraiment insane. Empressement c'est simple, c'est basique, voilà, il n'y a rien à faire de particulier. Il n'y aura pas à surveiller votre nombre de stacks non plus, parce que dans tous les cas en 20 secondes mettre des points de combo, bah autant vous dire que ça arrive tous les jours quoi. Genre si vous tapez une cible, forcément vous aurez votre uptime. Donc à partir du moment où vous pouvez taper, vous allez pouvoir monter votre uptime. Donc il y aura toujours des trucs où c'est pas possible de taper. Si par exemple on prenait BFA, Irion, bon bah il y a des moments tu le tapes pas pendant 20 secondes, donc tu dois remonter tes stacks. Donc empressement, clairement un talent qui va sûrement être très très présent. Surtout que bah Exsang, on l'a vu, à part quand t'arrives sur des montants monstrueux de hâte, c'est pas si fort que ça au final. Surtout que là on aura plus le garrot amplifié, etc. Donc ça risque de pas être trop pris. Afflux de venin, estropié restitue 5 points d'énergie lorsqu'il utilise contre une cible empoisonnée, ça reste assez faible, alors que le fait d'avoir de la hâte en voleur assassinat, c'est toujours goldé, c'est toujours excellent, et ça a vraiment, je pense, boosté un petit peu les débuts d'extension, donc empressement, qui fait très plaisir d'être ici pour l'aspect assassinat. Et ce sera tout pour cette vidéo dédiée à l'aspect assassinat. Si t'es intéressé pour en savoir davantage sur les modifications apportées à l'aspect finesse ou à l'aspect hors-la-loi, n'hésite pas à aller cliquer les vidéos qui correspondent, tu y trouveras ton bonheur. Je te souhaite une excellente journée, et prends bien soin de toi.